Le lieu est tellement beau, ça fait passer le vaccin. Voilà, c'est pour ça que je suis venue ici. Vous voyez les personnes avec les chasubles oranges, vous voyez qu'ils lèvent la main, d'accord. Vous leur donnez le papier. C'est un cadre prestigieux, historique, qui a souffert du Covid comme tous les lieux culturels. Donc c'est bien de pouvoir réouvrir ces lieux de culture, chargés d'histoire, pour la vaccination et faire un trait d'union finalement entre le passé et puis le futur, l'avenir. Je rappelle que Louis XVI s'est fait vacciner contre la variole en 1774, à l'étonnement général. C'était à Marly, mais Marly fait partie du domaine de Versailles. Et bien donc, nous sommes à la fois dans cette espèce de continuité de notre histoire, et puis ensuite dans la réalité de l'histoire du château de Versailles dans la société d'aujourd'hui. C'est superbe de se faire vacciner dans un lieu historique comme ceci. C'est juste, non mais c'est un sentiment de liberté juste incroyable.